Eh bien, c'est après cette magnifique intro que on se retrouve pour l'épisode 4 de Crysis 2. Alors, je remercie vraiment Furious HD qui m'a réalisé cette intro. Franchement, je la trouve super. Alors, pour le remercier, j'aimerais bien que vous allez voir sa chaîne et que vous abonnez et que vous regardez ses vidéos. Et donc, ouais, voilà, franchement, merci beaucoup à toi. Et donc, nous, eh bien, on se retrouve pour la suite de cette aventure. Alors, j'en étais... Ah, est-ce que j'allais réussir à le tuer? Eh bien, la réponse... Non. Je pense que je préfère y aller... Oh, quoique... Soit on fait les fous et on tue tout le monde, ou soit on joue la prudence. Bon. Bon. Allez, c'est parti. Hop. Alors, désolé pour ce mini-lag. En plus, attendez. Attendez. Deux petites secondes. Voilà. Désolé. Donc, alors. Là, ils envoient un signal de détresse. Bon, c'est pas grave. Allez. Alors il faut que j'aille par là-bas. Qui est-ce qui me tire dessus? Hop. Bon. Voilà. Lui, c'est réglé. C'est chaud. Allez, dépêche-toi. Hop. Triple élimination de Monsieur Zirlax. Je viens de débloquer le drone. Non, je plaisante. Ah. Allez. Et voilà, un petit Predator. Alors, faut que je monte. Et dis donc. Au moins... On s'ennuie pas. Non. On se met en mode armure. Hop. Voilà, allez toi. Hop, genre il est pas mort. C'est un peu abusé là. Bon voilà, alors faut que je trouve un escalier ou un ascenseur. Quelqu'un pourrait me dire où est-ce que je pourrais trouver la façon de monter. Eh bien, la voici. Ah, je peux pas détruire la caméra. Ok. Bon. J'ai la caméra de sécurité braquée sur toi. Il y a trois gus là-haut. Bute-les avant qu'ils trouvent quoi que ce soit. Bon, on va se mettre en mode armure. Ou en camouflage. Bon, allez, en camouflage. On va faire des éliminations discrètes, vous allez voir.
ça va être pas mal. Alors là. C'est pas mal quand même, hein. Franchement j'avoue, regardez ça, on voit les genres d'aquarium avec des plantes. Non, franchement l'ambiance elle est vraiment pas mal du tout. Bon. Merde. Merde, 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 merde. Oulala. Là j'ai fait vraiment n'importe quoi. Bon, est-ce que je peux ramasser leur arme? Ah. Voilà. Il faut que... Hop. Détruire les indices. Il y avait juste ça à faire. Bon bah apparemment oui. Je sens que lui ne veut pas du bien. Point de contrôle atteint. Bon. Déjà, ça c'est une bonne chose. Ah. Ce n'est plus de lance-roquettes. Bon. Coriace, coriace. Voilà. Hop. Pas très coriace en fait. Ils abandonneraient aussi vite? Ça m'étonnerait. Les petits malins, ils arrivent par les toits. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps durera l'épisode. En tout cas, vous le verrez lorsque la vidéo sera publiée. Donc, de toute façon, on avance et on verra bien. Hein. Alors, attendez, hop, je vais mettre en mode armure. Allez. Voilà. Ici Azure 7, on a encaissé des dommages sévères. On peut pas rester. Je pense que là, par contre, ils ne vont plus nous embêter. Ça, vous voyez, ça j'aime bien ça. C'est pas possible, ils sont encore là. Hop. Je n'ai plus de munitions. Il doit en rester plus qu'un seul, alors. Hop.
crois qu'il faut que je détruise un truc, non? Oula. Ah, d'accord. Bon, alors attendez, on va aller lui faire sa fête. Eh bien, voilà. Ouf. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? C'était tout simplement énorme. Mon Dieu. Ah, j'ai dit ça avec... Vous avez vu ça? Écoute, je te transmets les corps. Regardez-moi ça. J'ai installé un autre dispositif. Tout simplement hallucinant. De Crynet que j'ai sorti des réserves en démissionnant. C'est moins puissant que celui du labo, mais faudra faire avec. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant après cet avion kamikaze, hélicoptère pardon. Non franchement c'était franchement non je plaisante, franchement c'était super bien fait. Bon alors allons vers notre objectif. Bon faut que je reprenne l'ascenseur à mon avis. Ou pas. C'est de l'autre côté de la zone inondée. On y est presque. Alors, hop. Voilà, c'est par là. Par contre, on n'a pas encore débloqué l'atout courir plus vite. Je ne sais pas si on le débloquera dans l'aventure. Alors, attendez. Ah, et voilà. Maintenant, je vais utiliser les raccourcis pour le mode armure et... Bon, j'aime pas quand je ne sais pas où il faut aller. Alors, où faut-il donc aller? Alors, attendez, je vais faire une chose. Non. Par là. Ouais, vous voyez, on voit vraiment tout hein, avec ça. Et ça ne m'indique pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Bon. Je sais qu'il faut que j'aille par là, mais... Ah, mince alors. Mince. Au pire, je ferai un petit montage. Bon, mais écoute, écoutez, on se retrouve une fois que j'aurai trouvé la sortie. A tout de suite. Bon, alors me revoici. Je pense avoir trouvé. En fait, je pense qu'il faut aller par là. Alors, bah, écoutez, on va tester ça tout de suite. C'est pas par là que je voulais aller, mais c'est pas grave. Enfin, vous voyez, c'est pas mal. Par exemple, ils auraient pu nous faire mourir une fois qu'on aurait tombé dans l'eau. Mais non, il préfère à chaque fois une sortie. Bon, ouais, à mon avis, ça doit être par là. Hein. On va passer par là, hop. Voilà, epic fail. Bon. Ah, j'espère qu'on le débloquera quand même pour courir plus vite. On va essayer de pas se rater, voilà. Alors, bon. Rien par là. Bon bah, si un point de contrôle c'est que c'était bien par ici. Ah, ça c'est pas bon du tout. Bon, ils m'ont pas vu. Et heureusement d'ailleurs. Hop, allez c'est parti. Donc j'évite au maximum le contact. Hein. Alors eux,
Il doit avoir des lunettes spéciales pour me repérer, je pense. Hop. Voilà. Alors, nous allons continuer. Là, c'est... Ouais, tout simplement. Ah, t'arrives enfin. Je t'envoie l'ascenseur. Ok, merci. Eh bien, on a envoyé un ascenseur, non ? Ah, ah. Ça y est. Tu me croiras pas si je te raconte tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Si, si, t'inquiète. Barclay, ces hommes se font piler. Crynet part en couille dans tout le reste de la ville. En gros, c'est la merde. Je comprends pourquoi l'ascenseur était si long à descendre. Prophète. Bon sort, pas fâché de te voir. Je t'ai pas rassuré, je dois te l'avouer. Dépêche-toi d'entrer. Qu'on referme le port. Ouais, j'ai examiné le scan de cette espèce de sport que tu m'as ramené. Regardez ça, c'est pas mal franchement. Hein. Exactement la même structure que la nanocombi. Je crois que après les cibles de traiter ça comme des vulgaires. Kevlar. Là-dedans. C'est pas mal du tout, je dirais même. Ah. Eh oui. Tara Strickland. La fille. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je trouve ça. Moi, je trouve ça hallucinant. Et puis Hargrave, bon. Bon, ben voilà, c'est Hargrave, quoi. Connexion établie. Veuillez patienter. Je ne vois pas ce que j'ai eu de nouveau. Ou alors peut-être qu'il va le faire en ce moment là. C'est bizarre. Attends un peu. Tu n'es pas prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? C'est ah. Hargreave qui vous a. Eh bien maintenant, au moins, il est au courant. En espérant qu'il ne nous mette pas une petite balle dans la tête, ça serait problématique. N'empêche que les visages sont quand même super bien faits. Hein. On voit bien l'expression qu'il dégage. Alors, que vas-tu faire? Tu vas te suicider toi aussi? Bon ah, sang, un beau petit écran plat. Et les conspirations. Oh bordel! Prophète était censé nous exfiltrer avant l'arrivée des Marines. Alors attendez, petit lag. Voilà, c'est réglé. Bon. Elle est un peu longue cette séquence, hein. Quelle question. Je parle pas beaucoup. Tu veux que je te fasse la version courte? On se fait éclater dans les grandes largeurs par des calmars. T'es jamais demandé ah, à quoi penser problématique. Les Incas quand la variole est apparue chez eux. T'as vu la sport, pas vrai? T'as vu ce qu'elle fait? Prophète disait qu'il avait trouvé un remède. Fin du scan. Alerte. Non, c'est pas possible. Nanoroutine non calibrée. Ça veut dire que... Vecteur de tissu extraterrestre bon. À 21%. La combinaison que tu portes
est faite d'un nanotissu semi-organique auto-régénérant breveté par Hargreaves Rush Corporation. Ouais, c'est Hargreaves. C'est lui qui a conçu ça. Prophet a été recruté pour porter la combinaison. Mais le problème, c'est que... Le problème, c'est qu'il s'est barré. Et après, quand il est revenu, eh ben, il était à moitié barge. Tu vois ça? Ça, c'est une routine virale intégrée dans les couches profondes. C'est un code vivant, on dirait... On dirait qu'il se... Qu'il se reprogramme pour s'adapter à de nouvelles données. À un nouveau paramètre, peut-être. Moi, je dirais... que ce truc-là, ça doit être le biocode d'un vaccin contre les nanospores. Ouais, ça doit être ça. Il faut qu'on fasse décoder ce truc. Mais je peux pas... Bon, pendant qu'il finit de parler, moi je propose d'admirer la belle vue, hein. Oh, mais merde, le seul endroit à New York pour faire ça... Pourquoi je peux pas aller vers par là? Bien, je suppose qu'on va devoir y aller. Ah. Au début, je croyais que c'était moi, mais non. Ah. Là, à mon avis, on n'est pas dans la merde. Pourquoi je ne peux pas tirer ? Laisser lui tirer dessus. Ah merde, une séquence scriptée. Il est où? C'est quand même pas très intelligent les ennemis, hein. Oui, je suis immortel. Ah. Alors ça, par contre, ça c'était bien. C'était vraiment cool. Bon, certes, c'était scripté à mort, mais... C'est ce qui fait tout le charme, hein. Je vous laisse cette petite cinématique. Alcatraz, je me suis arrangé pour intercepter des transmissions du sel. Ils allaient t'escorter jusqu'à un central de commandement du côté de Wall Street. Je connais l'endroit. À tous les coups, ils y ont installé une nacelle d'analyse. Il faut qu'on comprenne comment fonctionne ta combi. La sécurité risque d'être renforcée. Mais il y a un tunnel d'évacuation qui passe sous la rue. Ramène-toi à l'église de Wall Street. C'est là-bas que le tunnel débouche. Passe par les toits, c'est plus prudent. On se rejoint là-bas. Alors, eh bien, c'est reparti. Alors, soit j'arrête la vidéo là, ou je continue encore un petit peu. Que faire ? Mais je veux voir si c'est une nouvelle mission qu'on débute ou si c'est le prolongement de celle-ci. Ah, bon, c'est une nouvelle. Eh bien, je vous propose de se retrouver dans l'épisode 5 pour la suite de cette aventure. Mais en tout cas, merci à vous, hein, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à ma chaîne. Et écoutez, bonne semaine à tous, hein. Comme prévu, vous aurez un épisode de Minecraft par jour cette semaine. Donc voilà. Alors encore merci à Furious pour l'intro. Et à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous!